Bonjour à tous, je suis Sonia, maquilleuse professionnelle et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le maquillage correctif. Donc je vais vous apprendre les techniques pour grossir des lèvres donc, qui sont trop petites et l'inverse, on va les rétrécir si elles sont trop pulpeuses. Donc aujourd'hui on va faire la correction sur Cheyenne. Donc moi au préalable j'ai fait le teint. J'ai fait son teint parce que je trouve que c'est important d'avoir vraiment un contour net et qu'on ne soit pas embêté par des petites imperfections autour de la bouche. Donc on va commencer par une étape très importante quand on maquille la bouche, c'est de l'hydrater. C'est très important si on veut que le maquillage tienne. Alors moi je vais utiliser un baume hydratant que j'ai acheté en pharmacie. Donc il est très pratique mais c'est très gras. Donc je l'applique au pinceau mais on peut très bien l'appliquer au doigt. Donc c'est une étape très importante, surtout en hiver quand on a les lèvres gercées. Voilà, donc tu perds. Comme ça, on laisse bien pénétrer quelques minutes pour pas qu'après le rouge à lèvres glisse. On va passer à la correction des lèvres. Donc pour ça, j'ai besoin d'un crayon à lèvres. Donc là, comme on va grossir les lèvres, moi je vais prendre un rose de la couleur des lèvres de Cheyenne. Je vais commencer par tracer le cœur de la lèvre. Donc on suit la forme de ces lèvres et la base. Une fois qu'on a dessiné le cœur et la base, l'effet grossissant, il va être maintenant. Donc on part de la commissure des lèvres et on remonte vers le cœur. Et on voit que ce mouvement de poignet, en fait, on va tracer un trait qui va avoir un effet grossissant qui va passer légèrement au-dessus de la forme naturelle de la bouche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. En fait, c'est le poignet qui fait tout le travail, quoi. Donc on va faire exactement le même geste en bas, donc toujours de la commissure de la lèvre vers la base. Faites par des petits traits quand vous tracez votre trait. Ensuite, avec mon crayon, je viens déborder sur la lèvre pour pas avoir de démarcation. Bon, là, il n'y a pas trop de démarcation parce que c'est la couleur de la lèvre. Et comme ça, ça va se fondre quand on va appliquer le rouge à lèvres. Si vous voyez que vous avez un peu trop dépassé, petite astuce, un petit pinceau et du correcteur. Et vous venez effacer le trop, l'excédent. Alors, je vais venir prendre un rouge à lèvres donc de la même couleur dans les rosés. On peut mélanger plusieurs rosés et on va venir l'appliquer sur toute la lèvre. Le fait d'utiliser un pinceau, du coup, c'est beaucoup plus précis. Donc, on va appliquer une couleur plus claire au centre de la bouche, en bas et en haut. Ça va avoir un effet repulpant et ça va donner du volume à la lèvre. Donc, je vais prendre une teinte dans les rosés, mais plus claire. Donc ça crée une petite touche de lumière. Voilà. Donc on peut très bien finir la bouche comme ça. Donc un peu irisée. Si on aime bien ce fini-là, sinon on va finir avec du gloss qui va encore donner encore plus de volume. Donc on l'applique par-dessus. On voit tout de suite par rapport à la lèvre supérieure que la lèvre inférieure a beaucoup plus de volume. Maintenant qu'on a fini la technique du grossissement des lèvres, on va passer à l'amincissement des lèvres avec Isabella. Alors du coup, comme l'étape précédente, on a agrandi les lèvres, on a commencé j'ai commencé à faire le teint. Donc là, c'est la même chose, j'ai fait le teint au préalable pour vraiment unifier le contour des lèvres et pas avoir d'imperfection. Ensuite, on va hydrater les lèvres. Donc je prends un baume gras et je l'applique sur les lèvres. Donc c'est bien hydratant et on va laisser pénétrer quelques minutes. Alors une fois que le produit a pénétré, donc on va commencer à faire une base. Je vais la faire avec du fond de teint, donc le même fond de teint qu'on a pris pour le teint. Et je vais en mettre sur les lèvres. Ça va permettre d'atténuer le contour des lèvres. Et comme on va utiliser un rouge à lèvres foncé, le fait de faire cette base, ça va permettre aussi d'améliorer la tenue du maquillage. Ensuite, on va poudrer légèrement donc avec la même poudre que pour le visage. Donc maintenant, on va pouvoir retracer avec le crayon le contour des lèvres. On va partir de la base. Donc pour le tuto d'avant, on est parti de la commissure à la base. Et là, on va faire l'inverse. On va partir de la base, donc on va aller rejoindre la commissure des lèvres. Et du coup, naturellement, on va passer à l'intérieur des lèvres. On fait la même chose en haut. Donc on part du cœur et on redescend. Une fois qu'on a tracé le contour, on va venir redessiner le contour pour que ça soit bien net.
avec du correcteur, de la teinte du fond de teint ou un peu plus clair. On poudre légèrement pour fixer ça. Et maintenant, on va venir combler avec le rouge à lèvres. Alors moi, j'ai choisi un rouge à lèvres donc de la même couleur que le crayon, avec un fini mat. Donc on remplit. Et voilà, on a fini notre bouche et on a un fini mat légèrement, enfin pas totalement mat, mais voilà, l'important c'est qu'il n'y ait pas de irisé, pas de gloss et voilà, pas de gros brillants. Et avec la couleur foncée, ça permet d'amincir ses lèvres. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en laissant un commentaire sur la vidéo. Et si vous voulez voir d'autres tutos make-up, abonnez-vous à la chaîne Minute Beauté. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook et sur Instagram. Bisous, ciao.